Sœur Claire, c'est le baptême du Seigneur dans l'évangile selon saint Marc. Voilà, moi je vais simplement commenter Marc 1, 9 à 11, et le texte de dimanche, ça sera Marc 1, 7 à 11. Baptême du Seigneur, nouvelle théophanie ou épiphanie, en tout cas, manifestation de la divinité du Seigneur Jésus, manifestation de quelque chose, de la gloire, du mystère trinitaire. Alors, il est dit qu'en ces jours-là, Jésus est venu de Nazareth, de Galilée, et qu'il a été baptisé par Jean dans le Jourdain. Alors, on a affaire à une descente de Dieu tout à fait exceptionnelle, Dieu qui descend pour nous rejoindre en Jésus. Alors, d'abord, il descend de Nazareth à Jéricho, puisque Jésus a été baptisé dans le Jourdain à hauteur de Jéricho. Nazareth plus 300 mètres, Jéricho moins 400 mètres. Donc géographiquement, aller de Nazareth au Jourdain, c'est déjà descendre. Et deuxièmement, le Jourdain, Yarden, ça veut dire le descendeur. Et ce fleuve qui descend, comme tous les fleuves d'ailleurs, mais il descend extrêmement bas parce qu'il descend jusque dans la mer morte, l'endroit le plus bas du globe. Jésus nous révèle ici Dieu qui descend. Qui descend, mais pour nous faire remonter, puisqu'il est dit « aussitôt en remontant hors de l'eau ». C'est toute la mission du Seigneur Jésus, annoncée dans les temps très anciens, déjà à Moïse, au livre de l'Exode, Exode chapitre 3, verset 8, où il est écrit, c'est Dieu qui parle de lui à Moïse, et il lui dit « je suis descendu pour délivrer ce peuple de la main des Égyptiens et le faire monter. » Jésus, c'est l'accomplissement parfait des Écritures. Dieu qui descend pour nous faire monter. Et le baptême au Jourdain, c'est un genre de mime ou de représentation ou d'annonce ou tout ce que vous voulez de toute la mission de Jésus. Il descend. C'est Dieu qui descend jusqu'à nous pour nous faire monter. Vous avez des innombrables passages du Nouveau Testament qui nous le rappellent. Par exemple, Jean 6, 38 et 39, « Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Il descend dans les profondeurs de la mort pour nous entraîner vers la résurrection. Je suis descendu pour le faire monter. » Et encore, vous avez saint Paul émerveillé par ce mystère, saint Paul qui écrit dans les Éphésiens, chapitre 4, verset 9, « Il est monté, qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, et celui qui est descendu, c'est le même aussi qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. » Et je termine avec saint Paul et bien sûr l'hymne aux Philippiens, chapitre 2, verset 7 à 9. Il s'est dépouillé, prenant la forme d'esclave, devenant semblable aux hommes. Verset 8, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Et verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a exalté, l'a élevé. Le baptême du Christ, ça représente tout ça. C'est une magnifique manifestation de l'amour dont Dieu nous aime. Dieu qui descend pour nous faire monter. Et comme il descend, cette réalité de Dieu qui descend est exprimée par les cieux ouverts. Aussitôt montant hors de l'eau, il a vu les cieux s'ouvrir. Ces cieux qui s'étaient fermés à cause du péché d'Adam. Adam a rejeté Dieu, donc il y a eu comme une fermeture des cieux, et tous les prophètes et David souhaitaient que les cieux s'ouvrent à nouveau. Vous avez Isaïe 63, 19, « Si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». Et puis le psaume 144, verset 5, « Seigneur, incline les cieux et descends ». Et voilà que en Jésus, c'est très exactement ce qui s'est passé. Et ça a été manifesté au jour de son baptême. On peut dire aussi que en ce jour s'accomplit ce verset du psaume 19 où il est dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce ».
manifestation avec les cieux ouverts. Les cieux ouverts et l'esprit comme une colombe qui descend sur le Seigneur Jésus. L'esprit comme une colombe, comme l'oiseau qui couvait les eaux primitives au moment de la création, hein, Genèse 1, 2, où il est dit que l'Esprit de Dieu couvait les eaux, les ailes étendues au-dessus des eaux. C'est ce qui s'est passé au-dessus des eaux du Jourdain en ce jour-là. Nouvelle création, avec la présence de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, vous avez la voix du Père, et puis l'amour du Père manifesté à son Fils. « Tu es mon Fils », on va dire « Je t'aime » et encore « Je t'aime ». Donc, vous avez Dieu qui parle et vous avez la parole de Dieu, puisque Saint Jean nous rappelle que le Fils unique engendré de Dieu est le même que la parole ou que le Verbe. Jean 1:1, au commencement a été le Verbe, et 1:14, le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous, nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré. Voilà, tout le mystère trinitaire. L'Esprit-Saint au-dessus des eaux, la voix du Père et la parole du Père incarnée en Jésus, le Fils bien-aimé. Bon, c'est aussi un rappel de la colombe de Noé, cette fameuse colombe qui annonce une nouvelle création, également au-dessus des eaux, les eaux du déluge, hein, Genèse 8:11. La colombe revint avec un rameau d'olivier annonçant une nouvelle création qui commençait. Voilà. Donc on a tout ça dans ce grand mystère du baptême du Seigneur. Et je vais terminer avec deux textes des pères de l'Église rappelant ce que nous célébrons. Le baptême du Seigneur annonce notre propre baptême et le mystère de la foi, le mystère de l'incarnation. Saint Éphrem, le Seigneur très pur vint pour recevoir le baptême avec les impurs. Jésus plongé dans les eaux du Jourdain, c'est Jésus plongé dans le monde du péché. Donc le Seigneur très pur vint pour recevoir le baptême avec les impurs. Devant sa gloire, les cieux s'ouvrirent. Lui qui purifie tous les hommes, il voulut être lavé du même baptême que tous. Il descendit dans les eaux et les sanctifia pour notre baptême à nous. Pour la même cause, il prit chair. Pour la même cause, il descendit dans les eaux. Pour la même cause, il entra dans le sépulcre et fit entrer l'humanité dans sa chambre nuptiale. Le Verbe nous épouse hein, en venant dans notre univers de péché pour que son intimité nous rachète et nous tire vers le haut. C'est ça la chambre nuptiale. Ça, c'est Saint Éphrem. Saint Grégoire de Nazianze. Le Christ est baptisé. Descendons avec lui pour pouvoir remonter nous aussi avec lui. Jean baptise, Jésus s'avance. Il vient sanctifier le baptiste. Il vient noyer dans les eaux le vieil Adam tout entier. Il vient surtout en tout cela sanctifier les eaux du Jourdain. Jésus remonte de l'eau, entraînant et élevant le monde avec lui. Et il voit les cieux ouverts, ces cieux qu'autrefois Adam avait fermés pour lui et pour les siens. Et ce paradis qui était comme scellé par un glaive de feu. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage avec le Père et une voix descend du ciel. Avec le baptême du Christ, ce que nous célébrons, c'est notre mort et notre résurrection. Ce que nous célébrons, c'est déjà notre divinisation. Jésus a été plongé dans les eaux du péché, dans les eaux du Jourdain, pour nous redonner la vie divine. Dieu est homme qui est l'esprit colombe.